Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, puisqu'aujourd'hui j'ai trouvé la base secrète de ma fille sur Minecraft. Pour ceux qui me suivent, et d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous la connaissez du coup, le nom de ma fille c'est Juliette, et aujourd'hui bah en fait j'ai trouvé sa base secrète. Alors je vous explique, c'est un petit peu plus complexe que ça. En gros, Juliette m'a parlé qu'elle avait construit une base secrète qui apparemment est incroyable, avec une base totalement folle, elle m'a parlé de ça. Du coup bah moi j'ai quelques petits doutes, parce que je me dis, Juliette, est-ce qu'elle est capable de construire une base aussi stylée que ça, enfin aussi stylée qu'elle m'en parle en tout cas, et bien j'ai hâte de voir ça. Et du coup elle m'a donné rendez-vous dans cette petite clairière avec quelques arbres, enfin c'est plus une forêt qu'une clairière. Et elle m'a dit je serai vers 16h, donc là il est actuellement 16h sur Minecraft. Et du coup en gros elle va me montrer comment... De quoi? Je suis dans les parages, papounet. Ok, donc elle est dans les parages et en fait elle va me montrer sa base secrète, comment y accéder, etc. Et je pense que ça va être vraiment très très marrant, excusez-moi. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification, c'est extrêmement important pour ne louper plus aucune de mes prochaines vidéos. En plus de ça, tu feras partie de la Team Zombie. La Team Zombie, c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Du coup, abonne-toi si c'est pas déjà fait pour faire partie de la team. Et si tu veux plus de vidéos, j'ai trouvé la base secrète 2, et bien je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. À 2000 pouces bleus sur cette vidéo, je refais automatiquement un nouvel épisode de J'ai trouvé la base secrète 2. Donc voilà, je compte sur vous pour bombarder cette vidéo de pouces bleus. Bref, il est temps de commencer. Déjà, il va falloir que je trouve Juliette, parce que je sais pas où elle est. Elle m'a dit qu'elle était dans les parages, mais je vois que des cochons, donc c'est un petit peu bizarre. Mais attention, je sais très bien que Juliette a une particularité, c'est qu'elle a un petit pouvoir qu'elle a chopé récemment, enfin dans une de mes vidéos. D'ailleurs, dites-moi si vous vous souvenez dans laquelle vidéo elle avait chopé ce pouvoir-là. En fait, c'est une vidéo dans laquelle elle arrivait à se transformer en cochon. Et j'aimerais bien la retrouver, parce que là du coup je pense qu'elle a dû se transformer en cochon. Tout ça pour pas que je la retrouve tout de suite, à moins qu'elle soit cachée quelque part. Et t'es où, Juliette? Cachée en hauteur, papounée. T'es cachée en hauteur? Ok, attends, ah peut-être qu'elle est pas en cochon. Peut-être que c'est moi qui ai mal interprété. Mais peut-être qu'elle est pas en cochon. Ok, il y a des cochons. C'est bizarre quand même, il y a plein de cochons. Et je sais que Juliette est capable de se transformer en cochon. Elle a dit qu'elle était... Alors, attends, non, ok, ça c'est un vrai cochon. En fait, si je les frappe... Ah, non, c'est toi, Juliette. C'est toi, Juliette, je t'ai trouvé. Si, c'est toi, là. Si, c'est toi. Eh, hey, dis donc, Juliette, arrête de sprinter, là. Là, on voit très bien que t'es pas un vrai cochon. Allez, Juliette, allez, arrête de te transformer. C'est bon, tu me trouves plus, c'est bon, je suis caché. C'est ça, c'est ça. Allez, Juliette, arrête de faire la folle. Eh, bon, non, Juliette. Non, rien, papa, essaye de me toucher. T'arrives à me trouver, toucher. Et après, je te montre ma base. Ok, alors attention. Mince. Oh, les gars. Elle va vite. Ah, c'est bon, je t'ai touché. Vas-y, allez, retransforme-toi en Juliette, là. Voilà, c'est bien, ok. Nice. Bon, alors, où est-ce qu'elle est ta base secrète que tu dois me montrer absolument? Mystère et bout de gomme. Bah, je croyais que t'étais venu là pour me la montrer. Bah oui, mais faut que tu la trouves, papa. Ok, oh là là, alors, on fait un petit jeu chaud-froid? Bah oui, c'est ça, si tu veux. Ok, vas-y, alors, ok, bon, j'avance par là. Là, je me réchauffe. Tu te réchauffes si on veut, ouais, couché comme ça. Je me réchauffe là encore? Tu te refroidis là, c'est un peu là. Là, je me réchauffe là? Ah non, t'arrives, si tu reviens, ouais, si tu veux, si on veut. Ok, là par là, si je vais par là? Là où il y avait la montagne avec les cochons, les gars? Ouais, mais là, tu te refroidis, mon papounet, t'es où? Ok. D'ailleurs, je dis à chaque fois les gars dans mes vidéos, mais vous inquiétez pas les filles, je pense à vous, je sais que vous êtes autant que les gars à regarder mes vidéos. Du coup, si je dis ça, c'est... Non, mais c'est pas gentil. Non, mais c'est pas que c'est pas gentil, c'est juste que j'ai pris l'habitude de dire les gars, mais je sais que vous êtes autant de filles. Et du coup, coucou à vous les filles, parce que je sais que vous êtes beaucoup sur mes vidéos. Du coup, voilà. Alors, papa, t'arrives pas à trouver, t'es glacé, hein, là. Je suis glacé, ok. Alors, là, si je vais par là, est-ce que je me réchauffe? Là, tu te réchauffes un tout petit peu. Là. Je commence à te réchauffer, mais j'ai pas ça. Ok, donc peut-être monter la montagne. Tu te refroidis. Ah, ok. Donc c'est plus par là. Ok, par là. C'est chaud. Je suis chaud là? Ok. Là, t'es chaud, t'es bouillant. Mais maintenant, pour ouvrir, papa, une chose. Ah, t'avais une houe dans les mains là? J'ai vu. C'était quoi là? C'est l'indice. C'est l'indice? Ok, une houe? Ok. Bon, déjà, je vais me faire une houe parce que du coup, voilà, j'ai pas de houe. Je vais m'en faire une petite en bois, hein, ça va être très rapide. Hop, donc ça, c'est l'indice. Pourquoi? C'est quoi comme indice la houe là? Bah, tu verras. Parce qu'après, il va falloir passer, papa, avec ta houe. Alors, vous. Alors, d'ailleurs, je me suis trompé la dernière fois dans l'épisode. Souvenez-vous, j'ai dit que. Vous saviez, j'ai dit que, en gros. Parce que là, ça se trouve, je me dis, si c'est une houe, ça se trouve, il va falloir, en gros, du blé à jeter pour ouvrir. Non, papa. C'est fascinant, faut pas jeter. Moi, je suis économe, je suis écologique.
Ok, donc pas jeter, parce que vous souvenez-vous, dans les derniers épisodes, en gros, il fallait jeter un bloc à un endroit précis. D'abord, c'était n'importe quel bloc. Alors, le premier épisode, je crois, on a fait ça, c'était celle de Lori Loud, il me semble. Je crois que... Non, c'était pas Lori Loud, du coup. C'est le nom du père, oui, c'est ça. Je devais jeter n'importe quel item, et après, j'étais du poulet. Voilà, et dans la vidéo avec Lucy Loud, eh bien, il fallait balancer du poulet. Donc là, je me suis fait une houe. Donc apparemment, c'est pas un bloc précis à lancer, c'est l'indice, la houe, ok. On peut-être faire... Ah, ok. Oh, il y a des pistons et tout ici. C'est pas là qu'on ouvre. Ok, c'est pas là qu'on ouvre. D'ailleurs, t'as une télécommande dans le dos, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bizarre. Ouais, mais ma télécommande, papa, et pas la télé. Ok, ok. Mais tu la mets bizarrement dans ton dos. Ok, ouais, ok. Dans mon dos, quoi. C'est plus par où, alors, qu'il faut creuser? Tu me donnes pas un indice? Non, je cherche. Mais tu cherches. Ok, et dis-moi si je suis plus bouillant de ce côté-là ou plus de ce côté-là. T'es plus en train de refroidir, mon papouni. Ok, donc là c'est top. Chaud, hein. Ok, ok, ah. Ah, là il y a des trucs. Oh, 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 oh. Oh yes, ok, je suis dedans. Ok, yes. Oh, je suis dans la base, les gars. Oh, nice. Pousse-toi. Ok, ok, désolé, hop. Oh, yes. Non, tu rentreras pas. C'est chez moi, tu rentres pas, t'as qu'à sonner. De quoi? Faut que je sonne. Tu sonnes, mais t'as pas. Tu sonnes. Ok, mais attends, mais je sonne comment? J'ai pas de sonnette? Tu te débrouilles, et voilà. Quoi? Je me débrouille? What the fuck? Ok, les gars. Alors là, je comprends pas, il faut une sonnette. Ah, là, j'allais faire un bouton pour ouvrir la porte, mais non, ça fonctionne pas. Bon. Sonnette! Ok, un bouton! T'inquiète, t'inquiète, déjà. Ah, il y a un petit trampoline ici, on va pouvoir observer d'un peu plus haut les choses. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf! Elle est magnifique, la base de Juliette! Elle est incroyable! Ah ouais, c'est un... C'est un truc de fou, le château. Hey, j'ai même pas réagi quand je suis arrivé, mais en fait c'est vraiment ouf en fait. Genre c'est un château, sous terre, genre on dirait un vrai ciel et tout. Ok, par contre faut que je sonne pour rentrer. Là je comprends pas trop l'énigme. Mais la politesse, les filles elles aiment bien qu'on sonne quand on rentre chez elles. Ok, ok. Ok, ok. Bah tu penses tout le monde aime bien qu'on sonne chez lui avant de rentrer. Alors hop, je suis en train de sauter pour voir un peu de plus haut le. Oh c'est stylé. Ah ça a l'air stylé. Il y a un zombie, je crois, sur la télé qui court. Ah, j'aimerais trop rentrer. Bon, le truc, c'est qu'il faut que je trouve. Regarde la télé, ça passe, un bébé, Agnan. Je connais pas le craft des boutons, les gars. Peut-être que c'est simple, je sais pas. En tout cas, il y a des caisses. Ah, des boutons, j'ai dit une sonnette. Oui, des sonnettes. Excusez-moi, c'est parce que bouton, je connais très simplement. Je crois que c'est juste un bloc comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as pas tout confondre aujourd'hui? Ah, il y a une sonnette ici. Il y a une sonnette. Ok, j'ai une sonnette dans la main. Ok, ok. Et pourquoi? Bah c'est ton papa qui veut rentrer. Oui, mon papa. Ok, ok, je rentre. Ouh, j'ai fait ma porte au nez. Wow, ah ouais. Regarde, t'as pas une émission avec un enfant. Regarde, t'as pas, on dirait toi quand tu cours. Parce que t'as pas de cerveau, regarde, il est tout cassé le cerveau. Oh, ça va, regarde, moi je suis quand même plus beau. Oui, moi ça va très bien, papa. Hop, moi je range mes affaires. Ok, bon attends, vas-y, j'ai monté sur les... j'ai monté à l'étage, enfin à l'étage. C'est sur les... Comment on appelle ça? Ah, les remparts, excusez-moi, c'est les remparts, j'avais un petit moment d'absence. Ok, ah c'est cool ça, on peut allumer des lumières, voilà, des petites lampes. Faut surveiller, on peut surveiller, bon, il n'y a pas grand chose à surveiller, mais bon voilà. Ok, fais voir, montre, c'est quoi ta deuxième chaîne? Ah, je la vois pas tout de suite la deuxième chaîne, je crois qu'il y a un petit bug, je sais pas. Ou alors, tu sais pas changer la chaîne? Bah j'appuie, moi je vois les chiens, ils sont en train de se faire des bisous, mon papa. Ah ouais, bah moi je vois pas. Bon bah tant pis. Et du coup, bon bah en tout cas... C'est des beaux... Ah vas-y, je vais changer moi-même, hop. Deuxième télécommande. Ah c'est bon, là je vois. Ok, oui, il y a des chats qui sont en train de se laver et tout. Ok, bon, en tout cas, c'est des beaux remparts. Ok, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dans ta base? Parce que pour l'instant, elle est vraiment stylée, je t'avoue, mais... Si tu m'as dit qu'elle était vraiment incroyable, c'est qu'il y a quelque chose... Bah, ok, oui. Salle secrète. Nice. Eh mais attends, comment on passe, comment on soulève ça? Merde. Ok, alors je pense que c'est dans des caisses à nouveau. Ok, what? Non, il y a rien dans les caisses. Ah si, ok, un levier. Et je suppose qu'il doit y en avoir un deuxième. Ok, un deuxième levier de caché. Ok, ah c'est bien foutu ta base. Tu m'as mis plein de petites énigmes et tout. Ok, et là je vais descendre. Ah, j'ai hâte de voir. Wow. Ah ouais, les petites douches et tout. Ah ouais. Ah ouais. La vraie piscine. Ah ouais, trop stylé. Ah ouais, c'est beaucoup trop stylé. Hop, plouf. Ah ouais. Ouais, moi je me lave parce qu'après le chlore c'est pas bon pour le corps. Ah franchement, elle est vraiment vraiment stylée ta base. Je m'y attendais pas du tout à tout ça. Franchement, c'est vraiment clean. Franchement, bah grand bravo à toi. Ah mince, comment on ressort par contre?
Comment t'as fait? Et comment t'as fait pour faire? Comme ça tu resteras avec moi. Ok, ok. Bon bah voilà, bon, va falloir casser les trappes à la main. Bon les gars, du coup, eh bien je vais vous demander un petit truc. Vous allez donner une note à cette base. Donc vous allez me dire en commentaire la note que vous donnez à cette base sur 10. Avec Juliette, on lira les commentaires et on verra un petit peu si, si vous avez donné des bonnes notes ou pas. Est-ce vous que pouvez sortir papa ou pas aussi, hein, est la question. Ah c'est bon, tu m'as laissé sortir. Ok. Ah. Non, moi je suis sorti, mais est-ce que je te laisse sortir? Allez, laisse-moi sortir s'il te plaît. Je vais pas mourir là dans ta piscine. Allez, vas-y. Je vais ouvrir la trappe là, tu peux peut-être ouvrir le levier ici. Ah ouais, c'est bon. Ok. Nice. Et là. Et là. Eh, mais oui, je... C'est bon, ok, je suis sorti. Et donc voilà, vous me donnez une note et puis voilà, on lira ça avec Juliette et j'espère que vous donnerez des bonnes notes. Une voilà. Très bonne note. Donc voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. C'était Fan de Chat qui jouait le rôle de Juliette. D'ailleurs, il y a très bientôt une prochaine vidéo, vous savez, la suite avec la mafieux, pour ceux qui ont vu la chaîne sur la vidéo sur sa chaîne, qui sortira. Du coup, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne en description. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée pour ceux qui regardent cette vidéo. Enfin, si vous êtes encore là, regardez cette vidéo plutôt. Et puis voilà, allez, bye tout le monde, les potos, je vous aime et à très très bientôt. Bisous.